affaire bien difficile qu'il me faut démêler. Son caractère un peu particulier me rend fébrile, car pour une fois j'ai des enfants devant moi. Ça fait bientôt 10 ans que ce métier me prend beaucoup de temps. C'est une passion que j'ai toujours menée dans la raison, mais aujourd'hui c'est un tournant dans ma vie. Et enfin, je vais chercher tous les moyens présents dans la loi pour les libérer, car je ne pourrai jamais imaginer que des enfants aient une vie gâchée. Je n'y comprends plus rien. Ce matin, encore une fois, j'ai embrassé sans y penser mon enfant. Il était rempli de joie. Il a 12 ans comme je n'y crois pas. Je ne dois pas les laisser dans la peur. J'y mettrai tout mon cœur. Je ne dois pas les laisser dans la peur. J'y mettrai tout mon cœur. Maintenant, j'ai écouté une petite enfant bien mal élevée aux propos outrageants. À ce point-là, je ne pensais pas aussi jeune entendre ça. Dans son comportement, j'ai bien compris qu'elle n'est pas à sa place. Ses sentiments reflètent un peu sa vie, laissant sa trace, mais aujourd'hui c'est un tournant dans sa vie. Et enfin, je vais chercher tous les moyens pour savoir comment cela s'est passé. Je ne pourrai jamais imaginer que des enfants aient une vie gâchée. Je n'y comprends plus rien. Ce matin, en me levant, j'étais très bien. Et maintenant, je n'ai vraiment pas l'esprit reposé. Devant une enquête aussi compliquée, je suis soucieux, car ce sont des enfants qui ont versé le sang. Je suis soucieux, car ce sont des enfants qui ont versé le sang.